c'était ce jour-là, donc bon, c'est bien. Ce sera une musique intérieure. C'est le solstice. Voilà. Bon, je suppose qu'on nous entend déjà, nous voilà en direct. Alors, bonsoir à tous. On avait pourtant dit qu'on se tairait avant d'avoir le direct, mais c'est pas grave, on ne sait pas faire. Voilà. Donc, c'est la fête de la musique. Je suis avec Marie-Pierre. Il y a un mot magique dans son titre de conférence qui est karmique. Comment tu me l'as traduit tout à l'heure? Karminique? Karmimique. Les mimiques. Hein. Voilà. Les mimiques de l'âme. Ce qui fait que, voilà, vous êtes plus de 500 personnes à vous être inscrits à cette conférence, sans compter ceux qui vont nous rejoindre en replay. Donc, ben, soyez les bienvenus pour cette fête de la musique. Et c'est super sympa, je vous le disais dans le chat, d'avoir consacré votre temps à la spiritualité, à l'arbre karmique, plutôt qu'à la fête de la musique. Et puis, ben, c'est la fête de la musique. Donc, Marie-Pierre me disait, il y a un petit peu de brouillage dans les tuyaux. Donc, Marie-Pierre t'a proposé quelque chose pour débrouiller, voilà, nettoyer les tuyaux pour commencer. Désembuer les tuyaux. Alors, voilà. Ben, écoute, je suis contente de passer ce moment avec toi. Oui. Voilà, le problème technique étant résolu, puisque ça fait quelques heures qu'on a passé ensemble ces derniers jours à paniquer avec la technique. Et puis, en fait, tout est bien. Oui, tout est juste, en fait. Tout est juste. Voilà. Tout est juste. Mais moi, je suis vraiment très, très heureuse d'être présente aujourd'hui. Et tout à l'heure, je parlais justement de la musique de notre âme. Et c'est important de se mettre à l'écoute de la musique de son âme, de cette musique intérieure, d'entendre cette petite voix qui nous anime et qui nous guide de plus en plus, pas à pas. Et donc, pour démarrer, parce que je ne sais pas ce que je vais dire, même si j'ai une trame de fond, mais je vais laisser faire, on verra bien. On est instruments, hein, des instruments du souffle. Ben, j'allais vous proposer simplement de faire une méditation pour vraiment nous centrer, parce que ben, vous allez voir au fur et à mesure, comme ça se passe généralement. Souvent, je suis en live devant les gens, et là, ben, c'est ma première webconférence, donc merci. Merci, Maria. Et donc, on va voir ce qui se passe, parce qu'en général, même à distance, c'est beaucoup plus fort. Et donc, je vais nous inviter à entrer dans les ressentis, dans l'intériorisation. Voilà, donc je vais vous inviter toutes et tous à poser vos pieds bien à plat sur le sol. Voilà. À placer votre dos sur la chaise ou sur le fauteuil, si vous y êtes. Et puis, voilà, je m'invite à fermer les yeux. J'espère que tout le monde m'entend bien. Voilà, et pour l'instant, je vais simplement entrer en lien avec ma respiration. Je respire, je vis de mon rythme respiratoire. En mettant mon dos le plus droit possible, verticalement. Et je place simplement ma conscience dans ma respiration, en la plaçant si possible dans mon ventre, pour être au ventre de ma vie. Quand j'inspire, j'entre dans mon principe féminin, l'inspiration, la créativité, la réceptivité, le ressenti. Et quand j'expire, j'active, j'entre en lien avec mon principe masculin, l'extériorisation, la structure. Voilà, et j'entre pour l'instant en lien avec l'inspiration, suivi de l'expiration. Nous allons toutes et tous nous relier, si vous le voulez bien, avec notre âme, notre je suis, que l'on peut imaginer à 50 cm au-dessus de notre tête. C'est un peu comme cette étoile qui nous guide. Un phare. Pour certaines personnes, c'est une flamme. Ça dépend. Chaque personne est différente. J'accueille.
Voilà, et cette flamme, cette étoile, est l'extrémité d'un rayon solaire. Le grand soleil central, et je vais m'y relier verticalement. Quand je dis « je », c'est chaque personne présente. Je me relie à cette étoile, au soleil. Voilà, et je vais demander à ce qu'au moins durant toute cette guidance, toute cette conférence, les mots soient justes, peut-être des messages. Voilà, et que chaque personne entre en lien avec ses ressentis, son écoute intérieure, sa vision intérieure, la musique de son âme. Voilà, et je vais appeler les guides d'amour et de lumière en leur demandant d'envoyer toute leur lumière, toute leur force d'amour, toute leur présence. Voilà, peut-être certaines personnes ressentent déjà. Voilà, je vais demander à ce qu'une pluie de particules d'or descende sur chaque personne présente. Ça va nous aider à monter la vibration et à accueillir ce qui se présente, tout simplement. Voilà, tout en ressentant les pieds bien à plat sur le sol, comme si nous étions sur l'herbe, sur la terre directement. Cette terre qui est un véhicule qui nous porte toutes et tous. Voilà, on va ressentir toutes ces racines qui sortent de la plante de nos pieds. À chaque expiration nouvelle, et nos racines nous relient à nos origines. Qu'elles soient terrestres et même célestes. Voilà, j'espère que tout le monde est bien présent, a bien reçu. Et maintenant, on va revenir ici. Dans cette présence. Voilà. Et on va progressivement ouvrir les yeux, ouvrir nos oreilles, nous ouvrir à notre ressenti. À notre détente. Merci. Alors, je vais me laisser guider. Et, bah, s'il y a des questions qui viennent, peut-être vous pouvez les poser au fur et à mesure ou à la fin. Je ne sais pas, on verra bien ce qui se passe et comment ça se passe. J'espère que tout le monde a réussi à se connecter. Écoute, on a eu ce petit moment, voilà, il y a plein de personnes d'un petit peu partout. On avait vu tout à l'heure, il y avait déjà plus de 60 personnes inscrites avant, en ligne avant qu'on commence la méditation. Oui. Voilà, c'est beau, tout, hein. On n'a pas salué tout le monde, mais bon, tout le monde est déjà avec nous, on est tous. Il y a des personnes du Québec, même, je vois. Peut-être, si tu arrives à lire le chat, moi, il va falloir que je le grossisse pour arriver à le lire. Oui. De Tours, du Québec, Manon, Sabine, Anne, Valérie, Brigitte, Bretagne, Tours. Ah ben, les filles de Tours Angèle sont là. Merci les filles. Moi, je suis de Tours aussi, vous le savez. Peut-être pas.
Voilà. Alors, merci d'être là, merci de vos présences. Voilà. Alors, oui, peut-être, si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Je vais faire comme ça vient, en fait. Voilà. Écoute, tu fais comme ça le vient pour nous parler de cet arbre karmique. C'est ça. Voilà. Là. Voilà. Alors, ce qui m'est. Pourquoi le mot arbre ? Les arbres sont les poumons de la terre et quelque part, tout est respiration. Je respire, je suis en vie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'inspiration, c'est notre principe féminin. Donc, de manière plus corporelle, c'est ce qui nous relie à notre cerveau droit. La créativité, la réceptivité, le ressenti, l'intuition, tout ce qui est sphérique, arrondir les angles. On voit la femme enceinte hein, qui a ce ventre rond, qui est du levain qui vient dans son ventre, et on passe toutes et tous par ce levain, par ce ventre. Et le principe masculin, donc qui est relié au cerveau gauche, donc la structure, le cadre, une chose à la fois, et on a besoin aussi de cette structure, hein, cadencée, le temps. Ça me rappelle une nuit où on m'a montré en fait le soleil qui descend vers l'horizon, donc le soleil qui a sa trajectoire verticale et l'horizon qui est horizontal, et c'est un peu comme une croisée des chemins en fait. À la fois à la tombée du jour et à la fois le matin. Donc, c'est un éternel recommencement, un éternel renouvellement. Et notre vie est faite de cycles. Donc, c'est pour ça que la femme, qui est déjà de nature cyclique, elle comprend plus facilement et elle est plus dans son être authentique à rechercher, à essayer de retrouver ce qui se passe dans sa vie et à essayer de comprendre, en fait, ben voilà, il y a tel mouvement qui se passe dans ma vie, qu'est-ce que j'ai à en comprendre, qu'est-ce que j'ai à en vivre et qu'est-ce que j'ai à accueillir de plus dans ces fragments d'âme que je retrouve un petit peu comme un puzzle au fur et à mesure de ce qui se présente à moi. Et souvent, je dis, voilà, on est fait à 80% d'eau. Et quand je regarde l'eau dans la nature, elle se présente sous diverses formes. Il y a l'eau de l'iceberg, hein, c'est bien connu, avec les 80% en dessous de l'eau, qui représente l'inconscient, et les 20% au-dessus de l'eau, donc que l'on voit. Et donc cette eau qui est dans notre corps, par moments, elle se glaçonne. Qu'est-ce qui fait qu'elle se glaçonne ? Parce que nous vivons des moments de vie ben, qui sont à la fois agréables et désagréables. Et donc quand ces moments de vie sont désagréables, je vais glaçonner mon eau dans certaines parties de mon corps. Et donc, c'est le corps qui va me révéler ce qui est à l'intérieur de moi et ce que j'ai à comprendre. Par exemple, si j'ai une difficulté au niveau de mon cou, le cou, c'est je regarde à droite, je regarde à gauche, je regarde devant, et donc, c'est en général, c'est un problème de choix. Qu'est-ce que j'ai à faire comme choix dans ma vie ? Chaque partie de mon corps reflète, en fait, des faits qui sont là et qui font que ben, c'est mon corps qui, au fur et à mesure de cette conscience corporelle, émotionnelle et mentale, mon corps va me révéler des choses. J'en viens par exemple à des personnes qui viennent me voir pour aller voir par exemple une origine de ben, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon cou. J'en viens parce que je l'ai écrit tout à l'heure en fait, en me remémorant des témoignages en fait de personnes qui ont vécu des expériences. Et par exemple, des personnes qui se sont vues avoir des marques au niveau du cou, ça m'est arrivé moi, hein, et qui ont retrouvé dans d'autres vies le fait d'avoir été décapitées ou pendues, donc avoir des soucis au niveau du cou. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Ben voilà, je vais aller à l'origine de ce qui se passe dans mon cou physiquement et de ces émotions que j'ai contenues. Et donc, je vais aller libérer ce qui s'est cristallisé, ce qui a été marqué physiquement dans cette vie-ci. Voilà. Alors, j'en reviens à cet arbre. Cet arbre est bien le reflet de chaque être humain qui comporte à la fois ben, toutes ses racines, qui sont les racines généalogiques, les racines karmiques plus en profondeur, le lien à la terre et le tronc, donc qui représente notre tronc à nous, avec au centre du tronc la colonne vertébrale qui nous maintient, qui est à épurer en fait. Mais ça, je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Et toutes ces branches qui sont là et qui nous relient au cosmos.
Donc, en nous reliant à la nature, nous allons nous relier à notre propre nature. Et le but de notre incarnation, c'est en fait d'être une incarnation d'amour. Donc, c'est pas facile de tout le temps diffuser cet amour et de le retrouver, de le rencontrer à l'intérieur de soi. Et le mieux que l'on puisse faire, c'est d'aller découvrir et rechercher notre âme, d'aller rencontrer notre âme dans d'autres dimensions, de savoir ce qu'elle a à nous apprendre, ce qu'elle a à nous enseigner. Souvent, je dis, nourrissez-vous de qui vous êtes. Et qui vous êtes, c'est notre âme qui est là, qui est reliée à l'esprit, qui est beaucoup plus large. Et notre âme, c'est un peu notre étincelle divine, notre étincelle éternelle. On cherche éternellement à tout le temps vivre des moments heureux, des moments de bonheur, de bien-être, être toujours dans la joie, dans l'enthousiasme. Enthousiaste, ça veut dire être animé de Dieu. Et qu'est-ce qui fait que on a du mal, en fait, à vivre tout le temps cette joie, cet enthousiasme, etc. Parce qu'on vient dans cette vie-ci avec un mandat d'incarnation. Et donc, sur Terre, notre âme, c'est là où elle peut le plus évoluer parce qu'on porte en nous des blessures qui sont reliées à ce que l'on a vécu dans d'autres vies. Et donc, on choisit notre lieu d'incarnation, on choisit le ventre que l'on va incarner, on choisit nos parents, avec certaines cicatrices, certains défis de vie qui font que ben c'est grâce à eux, en fait, notre famille terrestre, notre famille biologique, avec tout ce que comporte la généalogie, la logique des gènes, et tout ce que l'on a à travailler au niveau des peurs, au niveau de la culpabilité, au niveau du manque de reconnaissance, du manque de considération, du manque d'estime de soi. Et donc, je vais traverser ce ventre de la conception à la sortie du ventre, à la naissance. Et tout cela, ça va être un programme de vie, un peu comme un ordinateur. Et dès que je vais sortir du ventre, en fait, sachant que la naissance est la réactivation de ce qui s'est passé au niveau de l'incarnation, quand je vais sortir de ce ventre, je vais réactiver la mémoire de ce que j'y ai vécu avant, sachant que dans cette matrice terrestre, ce sont des empreintes que je vis, mais qui sont reliées aussi aux autres vies, en fait. Je me souviens d'une femme que j'avais vue il y a pas mal d'années, en fait. Je crois que c'était en Alsace. Et en fait, elle avait de grosses, grosses difficultés avec sa mère. Et elle se demandait vraiment de où ça venait. C'était très, très, très profond. En fait, sa mère lui vouait une culpabilité et comme des reproches, sans savoir de où ça venait, en fait. Un peu comme une mise à mort. Et donc, on retourne à l'origine. Et l'origine, c'était dans le même village, au Moyen-Âge. Et en fait, cette femme, qui était la fille dans cette vie-ci, vivait l'inverse. C'est-à-dire qu'elle avait fait partie, elle avait été enceinte de sa mère dans l'autre vie. Et elle avait pratiqué le fait de faire partir un IVG, voilà. Et donc, dès qu'elle a su ça, il y a une énergie qui était cristallisée, qui s'est libérée, un champ d'information, en fait, qui s'est placé en conscience et qui a fait que dans cette vie-ci, cette personne, elle a compris pourquoi sa mère, en fait, lui envoyait tout le temps des reproches, etc. Et donc, du coup, ça s'est décristallisé. Il y a une autre respiration qui est arrivée et ça l'a libérée de cela et le lien s'est transformé. Donc c'est un exemple parmi d'autres exemples. Je vous dis, bien au fur et à mesure, j'ai une personne qui était venue et qui avait très très mal au genou depuis des années et des années. Elle a essayé énormément de techniques différentes et en fait, pareil, elle est venue. Processus de relaxation, etc., mise en sécurité. Et en fait, elle s'est retrouvée amérindienne, en train d'accoucher, mais pendant des heures, accroupie. Et pareil, au niveau de son corps, elle est repartie, elle avait plus mal aux genoux. Alors, qu'est-ce qui fait que ça se passe? Bien souvent, quand les personnes sont prêtes et elles sont ouvertes à tout cela, à tout ce qui est empreinte karmique, etc., à tout ce processus, cette programmation qui est à déprogrammer et réactiver différemment,
Eh bien, les personnes qui sont dans cet élan d'avoir envie d'aller voir et de donner un sens à ce qu'elles vivent, aux personnes qu'elles rencontrent, aux situations qu'elles rencontrent, qu'elles soient agréables ou désagréables, voilà. Les personnes se mettent en élan, elles vont rechercher, donc elles peuvent passer par différentes techniques en étant devant une personne qui lui correspond. La personne aura la réponse. Mais ça vient bien de son intérieur. Donc, bien souvent, c'est quand elle est prête, il y a une ancienne porte qui se ferme et une nouvelle qui s'ouvre. Donc ça, c'est important de le savoir. Voilà, alors ce que je vais peut-être faire maintenant, c'est vous montrer un petit peu le PowerPoint que j'avais préparé. Alors je vais partager mon écran pour que ce soit peut-être un petit peu plus structuré. Alors, je vais mettre ça ici. Voilà. Alors, fenêtre de l'application. Voilà, je vais vous partager ce que j'ai préparé pour vous. Voilà, j'espère que vous le voyez. Ça va, Anita ? Tu vois bien ? Oui, est-ce que tu... Oui, ça Vas-y. Va, je vois bien. Ah, est-ce que tu veux les questions avant de commencer ? Il y a une... Oui, peut-être. Une question. C'est vrai que je suis allée direct, mais... Il y a Marie-Paul qui dit « Pourquoi des maladies existent ? » Il faut que je grossisse. Est-ce que tu arrives à lire, toi ? Pourquoi est-ce que des maladies... Alors, pourquoi des maladies existent et pourquoi dit-on qu'elles sont incurables ? Ah, alors, incurable, ça peut s'écrire en deux mots. Impossible, ça peut s'écrire en deux mots. Impuissant, ça peut s'écrire en deux mots. Un, un, plus loin, puissant. Curable. Ce sont des croyances. Tout est croyance, quelque part. Et donc, tu peux te dire Marie-Josie, hein, c'est ça ? Voilà. Marie-Paul, je crois. D'accord. Ah non, Marie-Josie, pardon. Voilà. Faut que je fasse donc, je fasse quelque chose. Il y a de plus en plus de témoignages de personnes, justement, qui s'en sortent parce qu'elles décristallisent ce qui était cristallisé dans leur corps ou dans leurs émotions. Dans maladie, il y a mal à dire. Et donc, quel est ce mal qui ne s'est pas dit, qui ne s'est pas extériorisé, qui bien souvent se situe, par exemple, aujourd'hui, moi, je suis la présence, et il y a eu des secrets de famille. Donc, dans la généalogie, il y a beaucoup de secrets de famille qui font que, par exemple, ce qui se passe au niveau de la pensée, au niveau des grands-parents, ça va se répercuter au niveau émotionnel chez les parents et ensuite au niveau physique, corporel, chez les enfants. Donc, ça, c'est important de le savoir. Donc, ça, c'est une croyance. Il y a de plus en plus de livres qui sortent de personnes qui se libèrent de maladies parce qu'elles ont compris qu'il y avait tout ce qui est psycho-émotionnel, c'est-à-dire mes pensées, mes croyances, auront des répercussions sur mes émotions et aussi donc sur mon corps. Alors, si je change mes croyances, mes pensées en me disant, voilà, si d'un côté, je pense qu'elles sont incurables, si je me dis qu'elles sont curables et que je peux peut-être m'en sortir et y arriver, je vais engendrer donc en moi des ressentis d'émotions qui seront agréables et donc je vais aller vers une ouverture cellulaire, une ouverture du cœur et je vais plus facilement accueillir d'autres énergies qui vont me permettre soit d'aller voir d'où ça vient ou soit de recevoir, alors guérison c'est difficile, moi je dis guérir, mais c'est aller vers la transformation de soi. C'est comme une alchimie en fait, transformer le plomb en or et faire en sorte de se dire, mais oui, et si c'était possible, qu'est-ce que ça me ferait à l'intérieur de moi déjà de me dire, mais si j'ai une maladie, un mal à dire, si c'était possible que ça guérisse et que ce soit curable, qu'est-ce que je ressentirais déjà dans mon corps maintenant ? C'est ça, en fait. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est une réponse. Depuis quelques mois, j'ai la plante des pieds qui brûle dès que je marche. D'une heure avec de bonnes chaussures. La plante des pieds, c'est relié à l'ancrage. Alors, je n'ai pas la science infuse. Hein. Chaque personne a aussi sa propre réponse. Ce que je pratique aussi, enfin, ce qui peut être possible, c'est de, par exemple, dessiner ton pied et écrire à l'intérieur de ton pied tout ce qui vient, sans réfléchir, en mettant une musique de méditation, avec une bougie, et voilà, je vais écrire comme si j'écrivais à mon pied ou mon pied me dit. Les cellules de mon pied vont me révéler les choses. Donc, je vais écrire et laisser bien ou représenter par des couleurs ce qui me fait mal au pied.
Et bien souvent, ça permet aussi de réveiller et de se dissocier, en fait. Quand on écrit ou quand on dessine ou on peint, si c'est par exemple représenter une douleur, qu'est-ce qui se passe? L'énergie qui était cristallisée dans le corps, elle va passer par le bras, la main, et elle va venir se déposer sur un papier à l'extérieur de son corps. Et donc, je peux quelquefois le faire en pleurant ou en sentant de la colère qui se libère, qui s'extériorise. Et donc, je vais aller dissocier ce qui était crispé et cristallisé dans mon corps pour aller le poser sur le papier. Donc, ça va me libérer au niveau d'une énergie. C'est comme si j'avais un nœud et je vais dénouer cette situation, dénouer ce pied qui me faisait mal. Et alors, ça peut être relié aux racines familiales. Qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à l'ancrer, si c'est le cas, hein, je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Donc, aussi aller marcher pieds nus sur la terre. Et peut-être que la terre va me révéler des choses aussi, se mettre près d'un arbre, entourer l'arbre de ses bras et demander à ce que la terre qui transmute, qui a le rôle de transmutation, où l'arbre prenne un petit peu ses mots MAUX physiques. Et c'est toujours relié à une origine de toute façon. Alors, très mal au milieu, au dos par intermittence, sans doute le signe d'en avoir plein d'eau. Bah oui, c'est ça en fait, c'est d'en avoir plein d'eau. Donc, qu'est-ce que tu peux poser peut-être dans un sac où tu as mal au dos et c'est trop. Donc, ça peut être soit faire une méditation pour te voir remplir ce sac de tout ce qui t'indispose, de tout ce qui est lourd, de tout ce qui est difficile à vivre. Voilà, il y a plein de techniques différentes en fait. Soit c'est ça dans cette vie-ci, donc si ça se passe et que ça va mieux, c'est ok. Si c'est encore plus difficile, c'est que ça se situe dans d'autres enveloppes énergétiques. En fait, on a une première enveloppe énergétique qui est le corps éthérique, près du corps. Ensuite, on a le corps émotionnel, le corps mental, et ensuite au niveau karmique, au plus on s'éloigne du corps physique, quand on va dans le corps causal, là, on y trouve des empreintes, ce sont des champs d'information, en fait, des particules d'information qui sont présentes, certaines personnes les voient quand on voit les auras, et qui sont là et qui, au fur et à mesure, vont venir se rapprocher de notre corps physique. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui, quelquefois, vivent brutalement une situation, ne sachant pas de où ça vient. Et souvent, je dis, c'est important de faire la conchita, c'est-à-dire qu'on fait le ménage. Et au plus on fera le ménage à l'intérieur de nous, au plus on va balayer tout ce qu'il y a dans notre aura qui est en attente de venir se poser et s'ancrer et se cristalliser dans le corps physique, qui peut après créer des maladies physiques. Au plus on fera ce nettoyage intérieur, au mieux ce sera pour nous. Il y a la programmation cellulaire reliée à notre ADN à l'intérieur de nous, mais il y a aussi tout ce qui vient des autres vies. Et au plus on s'éloigne de nous, au plus c'est en lien avec d'autres vies. Et donc, au plus je vais méditer, ça peut s'écrire avec un M apostrophe, au plus je vais entrer à l'intérieur de moi, au plus je vais pouvoir, quelque part, scanner mon corps. C'est ce qui se passe au niveau oriental. Les Chinois, la médecine chinoise, etc., ils n'ont pas attendu après les scanners pour aller voir dans leur corps, en fait, comment ça se passait au niveau des méridiens, etc. Je veux dire, c'est une sagesse et une connaissance qui est ancestrale. Donc, c'est bien à nous d'orienter notre regard et nos habitudes et notre hygiène de vie vers cet Orient qui vient nous enseigner, nous, ça être. Alors que nous, ici en Occident, on est beaucoup plus dans le faire pour avoir. Et en fin de compte, on tourne un peu en rond parce qu'on voit là où on est dans le mur en fait. Pour moi, on est dans un sas en fait, entre un ancien monde qui est une 3D, qui est basé sur tout ce qui est temporel, mais quelque part on n'en peut plus quoi. Donc on est dans ce sas entre j'ai un pied dans l'ancien monde, je fais le grand écart, et en même temps il y a ce nouveau monde de la 5D qui est là, qui me tend la main, et donc j'ai à fermer d'anciennes portes pour aller en ouvrir d'autres et découvrir d'autres parties de moi qui sont en attente, en fait. Et c'est là où notre âme va nous nourrir d'autres essences de qui nous sommes. Et donc, elle va nous faire aller vers
la candeur aussi de cet enfant que nous étions, mais qui a été chargée de tout ce qui est il faut travailler, il faut avoir une maison, une voiture, etc. Et c'est au fur et à mesure que je vis des expériences de divorce, etc., de dérepérage, qui me font sortir de ma zone de confort et qui font qu'au fur et à mesure, cette matrice terrestre inconsciente de manipulation, etc., c'est un enchevêtrement, on va dire, d'élastiques qui sont dans mon dos. Il y a les élastiques qui sont là derrière moi. Alors, j'ai envie d'avancer et en même temps, je recule. Mais qu'est-ce qui fait que je répète souvent ces situations-là qui font que je me sens mal à l'intérieur de moi? Eh bien, je vais aller transformer ces élastiques en arc-en-ciel. Et donc, ce sont des liens d'arc-en-ciel avec cette famille d'âmes que je retrouve comme des situations, des lieux, des personnes où je me dis, mais mince, cette personne, je la connais en fait. Je ressens en moi que c'est quelqu'un que je connais. Et donc, c'est comme une reconnaissance éternelle qui est là et qui fait du bien, qui nourrit et qui invite justement à entrer dans cette lumière intérieure tout en étant sur Terre, quoi. Voilà. je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'attire les hommes alcooliques. Au début de la relation, c'est impeccable. Et après, je retrouve leurs problèmes avec l'alcool. Alors, l'alcool, en général, c'est un manque au niveau affectif, mais qui est relié à bien avant, en fait. Je n'arrive pas à les aider. Merci pour votre réponse. Aïdé. Aïdé, bien, voilà, c'est aller voir de où ça vient au niveau de la généalogie et à la fois construire cet arbre généalogique ou aller voir directement, qu'est-ce qui fait qu'à aujourd'hui, face à moi, j'ai un miroir de ma partie masculine avec des hommes un homme qui est en oui. manque affectif. Donc, ça peut être retourné dans son enfance, comment ça s'est passé pour lui au niveau de ses parents. Donc, il y a bien quelque chose qui est là, qui est présent et qui a été vécu. Alors, bien souvent, on ne sait pas. Et alors, j'ai eu l'extrême chance, la grande chance d'avoir été formée il y a une vingtaine d'années par le docteur Claude Imbert, I-M-B-E-R-T, et qui a écrit « L'avenir se joue avant la naissance »,« Faites-vous-même votre psychothérapie », »,« Et si j'avais un jumeau », etc. Et vraiment, elle m'a aidée à traverser aussi beaucoup de d'épreuves et de les mettre en lumière. Moi, j'ai toujours nos épreuves sont là pour nous donner la preuve de nos forces et de nos faiblesses. Et donc, c'est comme ça qu'on avance. Hein. Le tout, c'est de rechercher, de trouver à l'intérieur son équilibre. Et donc, c'est important de savoir qu'on peut se reprogrammer. C'est-à-dire que notre vie, c'est comme un film. Hein. Donc, y a une séquence du film qui a été, entre guillemets, mal jouée. Et donc, la mémoire est contenue dans notre ADN. Et on a vraiment la possibilité de retourner dans cette mémoire. C'est comme si on coupait cette partie du film et on va la transformer par un autre film, une autre séquence. On peut le faire grâce à l'imagination, c'est-à-dire qu'on va transformer ce qui s'est passé dans le passé. Et donc, en le faisant régulièrement, avec un minimum de temps, on va dire, on va réinformer notre film de vie d'autres séquences qui font que la scène s'était passée de cette manière-là avec une peur par exemple qui avait été vécue. Je vais donner un exemple, une petite fille qui va à l'école et d'un coup il y a un chien qui saute qui sort d'un buisson et cette fille du coup elle a peur des chiens et quand elle va grandir l'adulte aura peur des chiens. Qu'est-ce qui va se passer? On pourra retourner à ce moment du film de vie et là on va changer la situation, c'est-à-dire que la personne qui est adulte elle va retrouver cette mémoire où l'enfant a vécu le chien qui sortait du buisson, mais qui n'a pas mordu cette petite fille. Et donc, l'adulte qui est en train de vivre cette séance va entrer dans ce film et elle va lui dire « Mais tu sais, t'as pas été mordu par ce chien » parce que l'adulte a la connaissance du futur. Et donc, elle va amener d'autres informations, une sécurisation, une reconnaissance, etc. et faire en sorte que ce film et cette séquence-là du temps va se transformer. Et donc, en le répétant plusieurs fois, le film va être complètement transformé de telle sorte que la personne va retrouver ce moment d'enfance où il n'y aura plus eu de chien du tout. C'est-à-dire que c'est possible, comme quand des gens font des films, en fait, c'est pareil. On va rejouer les séances jusqu'à ce que la personne elle revive cette situation-là dans l'enfance pour faire en sorte qu'en étant adulte, elle n'aura plus peur des chiens.
Et donc ça, c'est une expérience parmi des milliers d'expériences, en fait. Moi, ça fait 20 ans que je fais tout ça, en fait. Et je suis vraiment passionnée parce que à chaque fois, les clés sont à l'intérieur de nous. Et c'est important de savoir qu'on peut aller trouver ces clés qui sont là à l'intérieur de nous. Et si on vit des épreuves, si on vit des difficultés, c'est qu'on a en nous la force d'aller plus loin et la force de s'en sortir. Et au plus ça avance, au plus les gens se retrouvent dans tout ça, en fait. Et c'est important. C'est un peu comme tout un collectif d'âmes qui est là et qui, au fur et à mesure, ben, on s'éveille parce qu'on vit justement ces difficultés de vie qui font que notre âme, elle va au fur et à mesure se nourrir par ces épreuves, se nourrir de plus en plus d'amour aussi, en fait. Je vois quand il y a eu le 11 septembre, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme par hasard, c'était sur les tours jumelles. Ben, il y a des milliers de personnes qui se sont mis à allumer des bougies et à se relier, voilà, parce que ben, il y a eu un événement difficile dans le collectif. Et du coup, ben, des milliers de personnes qui se relient ensemble aussi dans l'amour, parce que tout ça, ça a des effets sur, partout, en fait, sur Terre. Hein. Alors, merci beaucoup pour la réponse. Gratitude, j'ai une maladie qui s'appelle des douleurs aux articulations respiratoires. Voilà, alors la médecine, je pense que tout est complémentaire, donc peut-être aller voir du côté de tout ce qui est médecine naturelle, Marie-Josie, par rapport à ce que vous vivez, articulé, tout ce qui est squelette, c'est la structure, et donc c'est relié aussi au principe masculin, donc relié au père, et voir au niveau des pères de la famille. Bon, ça, c'est plus de la psychogénéalogie, hein, mais on peut aller plus loin aussi. C'est qu'est-ce qui fait que dans cette vie-ci, j'ai mis en place, entre guillemets, cette maladie. On peut aller aussi voir au niveau du contrat d'incarnation. Qu'est-ce qui fait que j'ai déclenché ça? Qu'est-ce que j'ai à en apprendre, à en vivre et comment je peux faire pour m'en sortir? Il y a des personnes qui ont aussi à vivre des maladies pendant un moment et qui doivent les vivre dans cette vie-ci. Moi je connais des personnes qui étaient allées voir c'était Satya Sai Baba qui a guéri beaucoup de gens en Inde, hein. Et en fait y a des personnes qui l'a pas guéri parce qu'il a dit si je fais ça dans cette vie-ci ce sera encore pire dans la vie prochaine. Donc voilà, ce sont des traversées de matière, comme je dis toujours, toujours pour entrer encore plus dans l'amour à l'intérieur de soi. La clé c'est celle-là, parce que tout est projection, on va tout le temps projeter à l'extérieur qui on est à l'intérieur. Donc, ça fait partie de notre rayonnement énergétique. Et au plus je vais accueillir ces parties de moi qui sont cristallisées, qui sont des épreuves, qui sont difficiles, je vais aller vers le pardon, vers la gratitude. Au plus je vais entrer dans ce mouvement de gratitude, de pardon, de bonheur, au plus je vais nourrir mes cellules et mes émotions de cet état vibratoire, au plus je vais le rayonner à l'extérieur. Et au plus ça va ouvrir des portes et m'éveiller à d'autres parties de moi-même. Et donc, rencontrer aussi des personnes qui sont dans cela. On vient de détecter des lésions près du col de l'utérus pour en déclencher un cancer du col de l'utérus. Quelle en est la symbolique? Alors, l'utérus, c'est la matrice, donc c'est l'enfantement. Alors, j'ai pas toutes les réponses. Ce que tu peux faire, Catherine, c'est te relier justement à ton âme et lui demander. On pourra faire un exercice tout à l'heure, hein. Moi, je demande pas mieux, hein. D'aller voir en fait et d'avoir des réponses par rapport à cela. On peut aller voir l'âme de l'autre côté, ce qu'elle reçoit comme enseignement ou ce qu'elle donne comme enseignement, comment ça se passe pour elle de l'autre côté. Est-ce que des personnes se sont déjà reliées à leur âme en se disant bah, « Tiens, j'ai cette curiosité d'aller voir et de lever le voile des mystères pour aller la rencontrer. Elle a des choses à me transmettre, des messages à me donner, des visions à me donner aussi sur moi. » Sur cette partie qui connaît tout de moi, que ce soit le passé, le présent ou le futur, et tout le temps, on est en train de transformer tout ça. Donc, c'est amener ce levain. Dans le vin, il y a levé l'un, l'unité. Hein. Alors, est-ce que toute maladie est d'origine karmique? Là, j'ai pas la réponse, en fait. Je pense que chaque cas est particulier. Il y a des personnes qui vivent des maladies dans cette vie-ci et qui n'ont peut-être pas vécu du tout de ce lien-là dans d'autres vies. Je pense que l'important, c'est de se mettre en lien, justement. Au plus je vais me mettre en lien avec elle, au plus je vais la reconnaître, identifier, essayer de rechercher de où ça vient et comment je peux faire pour m'en sortir, reprogrammer, appeler les guides, etc. Au plus je vais me nourrir de cette guérison, entre guillemets. Hein. Voilà, c'est ça, en fait.
il nous est demandé en fait d'aller voir de où ça vient et de ce que l'on peut faire, toujours pour plus d'accueil d'amour à l'intérieur de nous. C'est toutes ces parties-là qui ont été blessées, toutes ces blessures de notre âme, et c'est la possibilité que l'on nous donne en fait dans cette vie-ci de vivre. Peut-il y avoir un lien karmique lorsque quelqu'un n'arrive pas à gérer sa relation avec la nourriture et fait tout et n'importe quoi en ayant conscience, mais sans y arriver et à y remédier? Alors, au niveau de la nourriture, par exemple, quelqu'un qui est anorexique, ça traduit un vide à l'intérieur. Et donc, ce vide, de où il vient? Alors, allez voir en profondeur au niveau du ventre. Qu'est-ce que la maman a vécu quand elle était enceinte de cette personne? Et qu'est-ce qui fait que la personne qui devient adulte, elle réactive des scénarios de manque? Et de plus en plus, au plus le temps passe, au plus je réalise aussi qu'en fait, c'est des copier-coller entre ce que la personne vit en tant qu'adulte et ce qui s'est passé dans le ventre. Parce que le bébé va éponger tout ce qui se passe. C'est toute cette eau qui contient toutes les émotions de la maman. En fait, le bébé éponge tout ça, mais il est en totale fusion avec sa maman. Et donc, toutes les pensées de la maman, toutes ses émotions et tout ce qu'elle vit corporellement, le bébé va l'éponger. Et donc, lui, il n'a pas la conscience qu'il est en diffusion avec sa maman. Pour lui, il y a le 2 et le 1, et le 1 et le 2, quoi. Et donc, c'est après, en sortant et en étant adulte, c'est, mais oui, mais il y a cette maman qui a vécu tout cela, mais ce bébé, c'est aussi important de le placer dans de la lumière, en fait. Et après, d'aller lui donner des informations en lui disant, mais il y a toi qui es dans ce ventre. Donc, c'est appeler les guides, demander à ce qu'il soit protégé et lui faire comprendre, lui donner des informations, parce que le bébé, il entend tout, il ressent tout, beaucoup plus en fait que nous aujourd'hui. Alors, si on émet un son sur une cellule et un son sur 1000 cellules, la résonance et l'intonation sera complètement différente, quoi. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, c'est vraiment aller informer ce bébé que, bah, il y a cette maman qui est là, mais ce sont ses pensées à elle, ses émotions et ses souffrances physiques ou pas souffrances. Hein. Et donc, c'est faire en sorte que là, il y a une dissociation. Voilà, mais voilà. Ça va, Maria? C'est... Ça va bien. Bon. T'écoute. Oui. Heureusement que tu as mis ton PowerPoint, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ben, je réponds un petit peu à des questions et après, je comme ça, les gens, ben voilà, ils ont des réponses. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je dis ce qui vient. Depuis très jeune, je fais des chutes. 64 ans. Ouais. Je sais rien. Beaucoup de douleurs quand j'en marche un peu plus. D'accord, ok. Bah, c'est que vous avez à respecter votre rythme. Alors, pareil, est-ce qu'il n'y a pas une chute qui s'est passée soit dans cette vie-ci, dans le ventre, ou peut-être dans une autre vie, quoi. Allez voir. Moi, ce que je conseille aux personnes, c'est d'aller voir. C'est ce que je vais proposer après, en fait, hein, au niveau des ateliers que je veux proposer. Parce que le but, c'est ça, c'est chaque personne, c'est connais-toi toi-même, quoi. Et donc, dans connais-toi toi-même, il y a co, né, du verbe naissance, toi-même, M'AIME. Au plus je vais avoir une écoute intérieure et être en demande de recherche à l'intérieur de moi, d'aller voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est comme ça dans ma vie? Qu'est-ce qui m'insatisfait et qu'est-ce que je peux me donner comme moyen pour aller mieux? Et c'est ça en fait, c'est trouver des clés. Trouver des clés qui me sont données aussi de l'extérieur par rapport à des personnes qui peuvent me donner des réponses aussi ou des situations, sachant que c'est toujours des reflets de ce qui se passe à l'intérieur de nous, quoi. Voilà, je vois le genou, bah le genou, c'est le je et le nous. Donc, bah, il y a peut-être une fusion, en fait, et quelque chose à défusionner. Et le poids nié, bah, c'est un poids qui est nié. Enfin, moi, je dis ce qui vient au fur et à mesure. Donc, allez voir, Marie, de où ça vient, en fait. Hein. C'est le vocabulaire français est très riche. Et un jour, en fait, c'est comme si on avait appuyé sur un bouton. Et on m'a dit que c'était le langage des oiseaux. Et en fait, tout est venu, mais en décodage complet, quoi. Donc, pendant la nuit, j'ai beaucoup reçu des suites de chiffres aussi. Et je me suis dit, on est en train de réencoder mon ADN ou quelque chose comme ça, quoi, ou c'est un enseignement qui va peut-être apparaître un jour. Hein. Mais voilà. Qu'est-ce que ça signifie en particulier? Retrouver la petite fille que j'étais. En route vers la béatitude, prenez votre billet. Et je veux bien avec plaisir. Moi, je suis à Montpellier, qui pourrait m'aider pour que je sache quoi faire pour guérir de cette maladie. D'accord. Alors, je vais continuer un petit peu au niveau de
de l'arbre de vie. Alors là, on en voit une partie, c'est ça? Voilà. Donc, je vais reprendre un petit peu ici. Ah oui, alors, c'est de l'autre côté, attends. Elle est là. Voilà, parce qu'à l'écran, tout ce qu'on projette, voilà. Alors, je vous ai mis ici, c'est quoi l'âme, en fait? Souvent, je dis, soyez amoureux, en état amoureux intérieur. Être amoureux de son âme, de soi, en fait. Je pense que c'est ce que l'on a à réaliser le plus possible. Et pour pouvoir le rayonner à l'extérieur. Donc, c'est une conscience qui nous habite, qui est dans notre temple intérieur, dans notre corps, une vibration, une enveloppe énergétique. Il y a plusieurs enveloppes énergétiques qui possèdent à l'intérieur d'elle une étincelle, une dimension de la source. Et l'âme est une enveloppe pour cette étincelle qui est à l'intérieur de nous. Elle habite totalement nos corps physiques et subtils. Alors, il y a ce qui est notre identité céleste, dont la vibration est plus haute que la personnalité, qui est notre identité terrestre. Alors, personnalité, ça peut s'écrire aussi en deux mots, personnalité. C'est-à-dire que c'est comme si on était alité d'une partie de nous-mêmes que nous recherchons, qui est cette âme source, en fait, cette âme originelle. Alors, que fait l'âme d'incarnation en incarnation? Je vous le disais tout à l'heure, elle vient pour un mandat spécial. Elle a quelque chose à accomplir à travers l'incarnation, cette âme. Elle se réincarne plusieurs vies. Alors, on parle de roue du samsara, d'incarnation terrestre qui dépend de l'évolution de notre âme, avec plusieurs passages à vivre sur la Terre. Et donc, en fait, cette âme, elle a à retrouver cet amour intérieur et elle est divisée de plusieurs fragments. Alors, je peux, par exemple, avoir face à moi des personnes qui ont envie de se mettre en vie, mais qui n'y arrivent pas. C'est comme si d'un coup se déclenchait un processus de non-vie. Alors, elles peuvent retourner dans d'autres vies où elles vont retrouver des fragments d'âme de mort qui a été mal vécue. Donc, ça peut être des personnes qui ont été enterrées vivantes, entre guillemets, enfin voilà, des morts qui ont été très mal vécues. Et là, on va, il y a tout un processus en fait, hein, pour faire en sorte que cette personne, ce fragment d'âme, soit beaucoup mieux libéré à l'aide des guides de lumière, etc., pour faire en sorte que ce fragment d'âme soit réattribué dans cette vie-ci, dans une lumière en fait. Et après, la personne, elle arrive mieux à se mettre en vie, elle arrive mieux à avancer parce que ben, elle s'est libérée de ce fragment d'âme qui était difficile pour elle. Donc, venir partager quelque chose sur la planète Terre à travers des plans terrestres. Donc, la mission de toutes les âmes, voilà, partager l'amour. Et ce n'est pas du bisounours, hein, c'est parler du Dalai Lama ou de... Comment il s'appelle celui qui traduit aussi le Dalai Lama. Mathurika. Voilà, qui parle de l'altruisme en fait. On parle de bisounours, mais non, c'est de l'altruisme. C'est vraiment de la candeur de l'enfant, quoi, qui est la grandeur de l'âme. Et quelque part, on sait à l'intérieur de nous, au plus profond de nous-mêmes, qu'on est fait pour l'amour, on est fait pour la bienveillance, pour la contribution à ce que ce monde aille mieux. Et en même temps, bah, il y a une partie de nous qui est tiraillée parce que quand on voit tout ce qui se passe, bah, voilà, c'est pas toujours facile, quoi. Donc, avec certains niveaux de 5D, 4D ou 3D, on fait toujours du mieux qu'on peut. Moi, c'est ce que je dis. Donc, les âmes, voilà, elles ne réussissent pas toutes parce que certaines sont venues avec des souffrances et des plus ou moins importantes à travers l'incarnation. Il y a des âmes plus jeunes et des âmes plus âgées. Je donne un autre exemple qui me vient dans une famille, voilà, des liens où une mère s'entend bien avec une fille et avec le garçon c'est plus difficile parce que ben il y a eu beaucoup plus d'incarnations entre cette mère et cette fille qui ont été vécues entre elles, alors que ben le garçon il a une jalousie ou il se sent pas bien parce que ben, voilà il y a quelque chose qui ressent mais il sait pas le définir et donc c'est comme s'il y avait une préférence alors qu'en fait il n'y en a pas. Ce sont un nombre d'incarnations qui est beaucoup plus important, qui a été vécu avec la fille. C'est un exemple parmi d'autres. Donc c'est pour ça que c'est important, c'est bien d'aller voir, soit dans le contrat d'incarnation ou soit dans les autres vies, ce qui s'est passé, ce qui a été mis en jeu en fait par rapport à ça. Donc d'où cet amour qui peut être transformé en haine, en ressentiment, besoin de vengeance, de pouvoir, de senti de séparation.
parce que c'est sur Terre où on vient s'incarner pour comprendre ce que signifie et ce qu'est la vie séparée, en fait. On est séparés les uns des autres, mais en même temps, on est issu d'une source qui est unitaire, qui est unité. Et donc, on a en nous aussi, on porte aussi cette mélancolie de cette unité qu'on a vécue dans d'autres plans. Et c'est pour ça qu'au plus on se relie à ces autres plans, à ces mystères, en fait, au plus on enlève les voiles du mystère, au plus on retrouve cette nourriture de l'âme qui a vécu cette unité, et ça nous fait du bien, en fait, ça nous remplit de qui l'on est, en fait. Sans rien faire, ça nous remplit de qui l'on est. Et rien que là, on se mettre en respiration ensemble, même si on peut être loin physiquement les uns des autres, en se reliant dans cette respiration, ben ça nous remplit de qui l'on est, en fait. Et c'est comme ça qu'on peut ressentir l'âme, ce qu'elle a à nous dire et ce qu'elle a à nous faire ressentir du meilleur de nous-mêmes, en fait. Voilà, donc ce senti de séparation, difficile à vivre, et donc des épreuves à surmonter, etc. Donc, on peut parler aussi de famille d'âme. Donc, il y a plusieurs familles d'âme. Je ne vais pas en parler ici, mais c'est relié aussi à notre date de naissance. Donc, je ne sais pas si certaines personnes connaissent certainement la numérologie. Donc, c'est important de savoir quel est son chemin de vie dans cette vie-ci et d'aller voir un petit peu au niveau de la généalogie. Je pense que c'est de la numérologie, pardon. Je crois que c'est la grille d'implémentation, de savoir un petit peu quels sont nos défis de vie et dans quel domaine on a plus à œuvrer pour avancer, en fait, et pour accéder à une connaissance de nous-mêmes. Donc, il y a la famille d'âme terrestre, donc par la généalogie, le système transgénérationnel, la fratrie, rencontrée au début de notre incarnation, qui va nous permettre justement, c'est grâce à elle qu'on vit cet apprentissage et qu'on va se libérer de toutes ces épreuves de blessures, de joie de notre histoire familiale et de ces conditionnements. Souvent, je dis, voilà, on se limite par imitation généalogique. Et donc, on va vivre pendant un certain moment cette imitation et donc cette limitation pour ensuite s'en sortir et trouver notre électron libre intérieur, en fait. Et donc, se relier à la matrice divine. Et donc se relier à cette cellule originelle qui induit des regroupements d'âmes par mission. Donc, dans ce que je vais vous proposer tout à l'heure aussi, il y aura un questionnaire où, pour moi, c'est important de bien le remplir parce que ce sont justement des questions sur, ben voilà, quand est-ce que vous êtes né, comment ça s'est passé pour vous dans votre famille, etc. Ça fait partie, pour moi, de quelque chose d'important à connaître de vous. Parce que vous le connaissez pour vous, mais en même temps c'est important d'en avoir des clés et que je puisse moi après vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous, en fait, d'aider à mieux vous connaître par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Notre famille d'âme que nous retrouvons en reconnaissance de l'au-delà, notre âme appartient à une cellule d'âme dans l'au-delà qui est une famille, un regroupement d'âmes qui ont une mission commune dans d'autres plans de conscience. Alors je ne sais pas si beaucoup de personnes qui sont présentes ici sont déjà allées voir un petit peu leur âme de l'autre côté. Est-ce que vous avez des réponses à me donner par rapport à ça? Est-ce que certaines personnes sont allées voir leur âme de l'autre côté? Moi non, c'est sûr. Alors Moi non, c'est sûr. Tu l'as jamais fait, Maria? Non, j'ai jamais fait ce genre de choses. D'accord, ok. D'accord. C'est plein, mais pas celle-là. Et c'est vraiment des moments magnifiques, quoi. Magnifique. Alors voilà, voir le dernier message. Je suis née prématurément. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Greg Braden. Donc, c'est un Américain qui est très scientifique. Et en fait, dans une de ses conférences, il a donné cet exemple de deux bébés prématurés qui sont nés, donc qui sont restés dans un même ventre pendant, je crois que c'était 6 mois ou 7 mois, on va dire. Je n'ai pas le nom exact. Le nombre de mois exact, pardon. Et en fait, ces deux bébés ont été séparés à la naissance. Et donc, au fur et à mesure que les jours passaient, un bébé commençait à se, on dit mortiférer, ou tu vois, à plus rester en vie, on va dire. Et donc, l'une des sages-femmes a eu l'ingénieuse idée de, on va dire, de pas suivre le protocole. Et en fait, elle a pris ce bébé et elle l'a remis dans la même couveuse que l'autre bébé. Et donc, tout de suite, l'autre bébé a eu un geste physique, en fait, de placer sa main sur le dos ou sur l'épaule de l'autre bébé, qui s'est remis en vie, en fait. Greg Braden
parle aussi de ce champ. Alors, c'est le champ akashique, le champ de connaissance, le champ de, émotionnel, en fait, qui existe entre tous les êtres humains. Voilà, où c'est l'amour qui vient nous nourrir et de ce dont on a besoin. Et je trouve que c'est un merveilleux exemple, en fait, de, ben voilà, nous étions dans un même ventre, on nous a séparés, et là, on nous remet ensemble et du coup, les deux reprennent vie. Et je trouve ça magique et merveilleux parce qu'en fait, on a tous besoin de ça, de cette mise en vie et de cette reliance d'amour. Et donc, il explique aussi de manière scientifique qu'au plus chaque personne se responsabilise et fait ce travail sur elle pour accueillir tous ces fragments d'âme et retrouver au fur et à mesure cette unité dans l'amour intérieur, au plus ça va avoir des effets à distance. Et donc, c'est vraiment important de le faire. Voilà. Alors, je ne connais pas Greg Braden. Ouais, il semble que beaucoup de personnes ne soient pas allées à la rencontre de leur âme non plus. Hein. D'accord, non, non, non. Qu'est-ce que ça signifie d'ailleurs de mon... Ben, c'est d'aller voir, en fait, dans d'autres plans, dans d'autres dimensions, on existe. Et donc, on a la possibilité d'aller voir qui nous sommes de l'autre côté. Mais ça, c'est ce que je propose après dans les ateliers, en fait. Parce ah, ben voilà, alors. Voilà. C'est être dans certaines conditions, en fait, pour aller voir qui nous sommes de l'autre côté et vraiment entrer dans ce silence intérieur et se mettre en lien. Et donc, d'aller écouter notre âme, ce qu'elle a nous montré, nous dire, nous faire ressentir. Voilà. Donc, j'en viens à là, à transmuter ces blessures pour être plus dans l'amour et toute cette impression de déjà-vu avec des personnes par le regard. Ben oui, je connais la vibration de cette personne. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, nous nous associons à des âmes avec des personnes qui ont des mémoires qui ne sont pas guéries. Souvent, ce sont les mêmes empreintes. Et donc, on va retrouver dans cette vie-ci et se mettre en lien avec des personnes qui ont les mêmes empreintes que nous, que ce soit dans cette vie-ci ou dans d'autres vies, en fait. Et donc, le but, c'est de nous faire évoluer. Moi, je dis toujours, personne n'est parfait, mais tout est perfection. C'est-à-dire que ce que je vis, c'est toujours un enseignement. Et donc, même si c'est une difficulté, si c'est une épreuve, cette épreuve est là pour m'enseigner à qui je suis et là où j'en suis. Et donc, on place toujours sur notre chemin des personnes ou des situations ou des lieux qui font que je vais grandir en m'accueillant de plus en plus. C'est comme accueillir un bébé à la naissance, en fait, qu'il soit petit, grand, noir, blanc, etc. C'est voilà, je vais accueillir toutes ces parties de moi-même et les envelopper et les laisser s'envelopper, en fait, aussi de tous ces manteaux subtils, parce que dans ce que je fais vivre en atelier aussi physique, il y a des manteaux de lumière qui se présentent, il y a plein de choses qui se présentent, il y a des croix d'encre qui viennent agir sur les gens à certains endroits du corps, parce que j'ai eu beaucoup d'incarnations en Égypte. Il y a des manteaux de lumière qui viennent se poser. C'est des moments mais fabuleux, quoi. Voilà. Donc c'est là où se jouent les blessures fondamentales, l'abandon. Tout le monde connaît là l'abandon, le rejet, la non reconnaissance, l'humiliation, la maltraitance, la trahison et l'injustice. Voilà. J'espère que ça vous aide ce que j'ai fait comme écrit. Donc, je vous parlais tout à l'heure donc du mandat d'âme et du processus d'incarnation en incarnation, c'est guérir ce qui retient notre âme, de partager notre amour. Voilà, et donc, on est tous là pour s'accompagner les uns les autres, en fait, hein, face à des dimensions et des situations de non-amour. C'est qu'est-ce que j'ai à en apprendre, qu'est-ce que j'ai à en vivre. Et c'est sortir de cette survie pour ouvrir mon cœur à moi-même, apostrophe IME, et à faire en sorte de rencontrer cette beauté à l'intérieur de moi. Au plus j'irai rencontrer cette beauté à l'intérieur de moi, au plus je pourrai la manifester à l'extérieur. Voilà, sortir du jugement et aller vers le discernement. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Hein. Je vais regarder un petit peu s'il y a d'autres commentaires. Bon, non, pour l'instant, ça va, c'est tranquille. Ça va ? Ah oui, Greg oui. Braden, l'histoire des bébés jumeaux. Ah voilà, je n'ai jamais été voir mon âme. Le bébé a intriqué spontanément l'information et l'énergie de l'amour a soutenu son frère. Voilà. Alors, il y a une personne, c'était un petit peu plus haut, parce que j'avais commencé à lire. Je suis née prématurément.
Mon corps entouré d'une épaisse couche de graisse a permis à ma maman d'accoucher sans effort. Qu'est-ce que cela signifie? Comment dirais-je? C'est comme un bébé qui vient initier sa maman à cette protection physique. Donc peut-être que tu as un rôle protecteur vis-à-vis de ta mère, mais à mon avis, c'est en lien aussi avec d'autres vies, où c'est peut-être l'inverse qui se passait. Mais ça doit être en lien avec des retrouvailles dans cette vie, pour moi. Hein. J'ai fait 3 NDE. Ah, d'accord, 3 NDE, d'accord. Alors, que signifie aller voir son âme de l'autre côté? C'est aller rencontrer la partie de soi qui est dans des dimensions d'amour, qui reçoit des enseignements ou donne des enseignements. Et c'est comme notre partie éternelle, en fait. Elle sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Elle sait. Et donc, ça fait partie quelque part de l'évidence. Et donc, elle a beaucoup à nous montrer, beaucoup à nous enseigner. Et donc, au plus je vais me libérer de ces nœuds qui sont des nœuds issus de souffrances, qui se sont cristallisés dans mon corps, et principalement au niveau de mon tube pranique, au plus je vais libérer mon tube pranique, qui passe tout le long de la colonne vertébrale, au plus je vais avoir accès à ce nouveau souffle. D'ailleurs, moi, je me suis surprise un jour d'avoir ce souffle qui est descendu le long de la colonne vertébrale. Alors, je ne sais pas si c'est une montée de Kundalini ou autre, mais... et qui est remonté au fur et à mesure. Et je me suis surprise à faire des sons que j'ai utilisés, bien évidemment, et que j'utilise en atelier collectif, qui envoient une vibration et qui font que, ben voilà, au fur et à mesure, parce que ça fait quand même 20 ans que je fais tout un travail intérieur et je continue. Pour moi, la vie, c'est ça, en fait. Hein. Enfin, c'est pas un travail, mais c'est un enseignement, on va dire, un chemin de vie. Et au plus... je vais me libérer et décadenasser, déverrouiller des cristallisations, des nœuds, etc. Au plus, je vais libérer mon canal pranique et donc entrer dans un nouveau souffle qui va descendre de plus en plus vers le bas de la colonne vertébrale. Et donc, je vais recevoir des enseignements. Je vais de plus en plus savoir quelle est ma mission d'âme, qu'est-ce que j'ai à faire dans cette vie-ci. Comment je peux me mettre au service, comment je peux entrer dans cette contribution pour être un instrument de ce souffle de vie. Et donc, d'aller vers là où j'ai à aller, de rencontrer les personnes que j'ai à rencontrer. Et c'est vraiment cette notion de contribution qui s'active, en fait. Et de plus en plus, avec de nouvelles couleurs, il y a aussi notre âme avec ses propres couleurs. On a une ou deux couleurs. C'est ce que j'ai vu jusqu'à présent. Et donc ces couleurs vont nous aider à nous donner la tonalité et la vibration de notre âme dans d'autres dimensions, et donc on a à se nourrir de ces vibrations colorées et faire en sorte de pouvoir les manifester ici sur Terre. Voilà, j'espère que la réponse est claire. Alors, Greg Braden, Monique, j'ai fait des expériences avec toi et j'en suis très contente, cela m'a beaucoup aidée, je t'en remercie Monique. Merci Monique, je sais qu'il y a des personnes qui sont là et que je vois régulièrement et que j'adore, enfin, c'est une famille en fait. Hein. Donc même quand elles viennent ou autres, voilà, on se fait une auberge espagnole et puis on va dans le jardin et c'est des moments magiques, vraiment des vraies offrandes. Merci Monique. Le bébé a intriqué spontanément l'information et l'énergie de l'amour a soutenu son frère. Oui, ça c'est par rapport à Greg Braden. Je connais l'histoire des bébés jumeaux. Extension d'âme. Il m'a permis... alors, on nomme cela nos extensions d'âme et m'a été permis d'en rencontrer 3 déjà, chacune vivant dans des plans univers très différents. L'intrication fonctionne aussi entre nos différentes monades. Ben oui, tout ça, c'est en lien avec les monades. Et donc, c'est pour ça que m'est venu l'arbre. C'est comme l'arbre kabbalistique, en fait, avec les 22 sentiers et toutes les monades qui sont là pour nous initier, en fait, et nous donner des informations qui viennent d'autres plans, en fait. Est-ce se reconnecter avec la mémoire d'ancienne vie? Oui, c'est en lien avec ça. Tout est relié de toute façon, hein.
ta pratique ressemble beaucoup aux expériences d'expansion de conscience. Oui, en fait, ça revient toujours à la même chose. Ce sont des mots peut-être différents, mais le but, je vous dis, c'est vraiment de le connais-toi toi-même, quoi. Donc, au plus je vais avoir cet élan d'entrer en lien avec moi, au mieux je serai en lien avec les autres. Et donc, je pourrai expirer, extérioriser et diffuser cet amour. Et la clé, c'est vraiment, ben, je vais aller dans mon ventre intérieur, de ce ventre où j'ai vécu, et d'aller me découvrir avec toute cette connaissance. Donc, pour élargir aussi mon champ aurique. Aller voir son âme. Aller voir son âme, est-ce en lien avec le recouvrement d'âme en chamanisme ou est-ce autre chose? Je ne sais pas. On m'a déjà dit que j'avais été chamane aussi dans d'autres vies, mais j'en ai jamais revécu dans cette vie-ci. Enfin, voilà, je pense que des personnes passent par le chamanisme ou d'autres en reliance avec la nature. Enfin, moi, je me relie avec les arbres. J'ai même mis des lumières qui changent de couleur au pied des arbres, en fait, parce que c'est comme si on montrait la nuit dernière que ça agissait sur l'aura des arbres. Voilà, donc j'essaye de me laisser guider. On reçoit beaucoup d'enseignements aussi, hein, pendant la nuit. Alors, Sabine, c'est quoi les morts non libérés, fragments d'âme? En fait, notre âme, c'est un peu aussi comme un puzzle. Et donc, il y a des parties de notre âme qui ne sont pas connues, qui sont reliées aux autres vies, dont on n'a pas connaissance parce qu'on n'a pas retrouvé les informations qui font que bah, aujourd'hui j'ai envie d'avancer, mais c'est noué à l'intérieur de moi et j'arrive pas à avancer. Et donc je vais aller voir un fragment d'âme qui correspond à une mort que j'ai vécue dans une ancienne vie, mais qui a été une mort difficile à vivre. Et donc à ce moment-là, il y a un fragment d'âme qui reste coincé. Et donc, qui est dans mon champ aurique quand je reviens dans cette vie-ci et qui fait que j'arrive pas à avancer, mais je sais pas d'où ça vient. Et donc, c'est un peu comme des éclairages dans mon aura où je vais aller éclairer cette partie de mon aura qui était dans l'ombre. C'est le principe de Platon, hein. Je vais aller éclairer cette grotte qui est en fait éclairer mon corps et aller y amener de la lumière pour voir un petit peu bah, ce qui s'est passé et ce qu'il y a dans l'autre vie, ce qui s'est passé. Sinon, c'est comme si ben voilà, j'arrive dans une pièce, il fait noir, il y a un interrupteur et une ampoule, mais en fait, je reste dans le noir. Alors, j'ai le choix. Soit je reste dans ce noir, ou soit je vais aller allumer l'interrupteur et aller voir ce qu'il y a dans cette pièce. C'est un peu pareil, en fait. Et la pièce, c'est comme si c'était mon corps, mon être intérieur. Donc, j'ai le choix d'aller allumer l'interrupteur ou pas. Ça appartient à chaque personne. Je veux dire, on a tous la liberté de le faire ou pas, quoi. C'est, voilà, chacun est libre. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. Je suis née pour lui faciliter le passage dans cette vie-ci en reconnaissance, mais je ne peux pas lui dire. Tu as bien vu. Ah ben merci, merci. Ce langage est-il le galactique ou le stellaire? Je ne sais pas. C'est très clair et passionnant, merci. Oui, c'est bien de me donner vos retours parce que voilà, c'est important pour moi. C'est aussi de la reconnaissance intérieure. Hein. voilà, et je vais continuer avec. Ça va, vous voyez toujours? Oui, très bien. Ah voilà, comme j'ai changé mon bureau, donc j'ai fait un petit peu un résumé en fait de par anticipation de ce que j'allais proposer après. Donc, oui. Le but, c'est quoi? C'est de faire en sorte de ne plus réémenter ou de ne plus avoir en miroir face à soi ce qui n'a pas été libéré dans cette vie-ci. Pourquoi? Parce que, bah, comme un ordinateur, comme des données d'information, tout est inscrit dans nos corps spirituels, émotionnels et physiques. Donc, ça rejoint le psychosomatique dont je parlais tout à l'heure. La pensée a des répercussions sur l'émotion, et aussi sur le corps. Donc, soit je pars des pensées pour aller vers le corps, soit je fais ressortir ce qui se passe dans mon corps, avec les mots et ma UX physique, pour aller déverrouiller, déglaçonner, donc réchauffer ces glaçons, c'est de l'amour, hein. Donc pour libérer l'émotion qui a été cristallisée, et pour ensuite aller changer mes croyances pensées. Ensuite, aller ne plus réémenter donc ce qui s'est passé au niveau des annales akashiques de l'univers. Alors, dans l'akasha, il y a ce qui est à la fois de la lumière et du son. Donc, j'ai déjà vécu aussi, en faisant des ateliers collectifs,
des moments où vraiment j'ai senti tout un champ. C'est comme si j'étais dans l'eau, mais c'est de l'eau R. C'est-à-dire que je... Comment je vais dire ça ? Pas facile à expliquer. Hein. Je balayais comme ça mes mains de gauche à droite et c'est comme si j'étais dans un bain de vibrations, mais d'amour et d'une intensité très forte. Et certaines personnes ont pu goûter à ces moments-là. Et pour moi, c'est un peu ce champ d'amour, ce champ émotionnel et ce champ akashique qui descend et qui vient se présenter de plus en plus près quand on est en, j'allais dire comme une fleur qui s'ouvre à la lumière et qui s'ouvre au soleil pendant le jour, pour ensuite se refermer pendant la nuit et recevoir les enseignements de la terre pendant la nuit. Et donc c'est, ben voilà, j'ouvre et je ferme. Et au plus je me mets dans cette disponibilité-là, au plus ça œuvre à l'intérieur de moi, et donc au plus l'environnement va aussi se transformer. Et donc ça démarre de mon intérieur, ça démarre de moi. Voilà, je notais toutes les mémoires des lieux où on a vécu. Ben, il y a par exemple ici voilà, une chaussée Bruneau, donc c'est une femme qui a été traînée pendant 3 jours et 3 nuits du temps du Moyen-Âge, par des chevaux, par les cheveux. Et donc, imaginez un petit peu le tableau. Enfin, voilà. Et moi, j'ai retrouvé des mémoires, alors, sachant ou sachant pas que ça soit une mémoire à moi, mais c'est pas ça qui est important quelque part. C'est vraiment ces liens qui sont quelque part magiques de retrouver des personnes qui sont tout le long de la chaussée Bruneau depuis une quinzaine d'années maintenant. Et j'ai pris conscience de ça il y a pas très longtemps. Donc il y a à peu près 10 années, je connaissais pas la chaussée Bruneau. Et en fait j'ai contacté des mémoires d'une femme qui se faisait traîner par les chevaux, la Bruneau, haute brune. Bon. Et donc j'en parle à un ami, il me dit bah tu connais pas la chaussée Bruneau? Je dis bah non. Bah voilà, c'est une femme qui s'est fait traîner par les chevaux, etc. Et en fait là j'habite tout près. Après avoir déménagé plusieurs fois. Et en fait j'ai réalisé que les personnes que je connais depuis une bonne quinzaine d'années, elles sont les amies proches, ben, sont situées au maximum à 15 km ou 20 km de cette chaussée Bruneau, quoi. Donc, je me dis, mais c'est quand même merveilleux, même si ça a été des moments difficiles, hein, que ce soit mon âme ou pas, hein, mais de se réaimanter dans des lieux avec des personnes qu'on a déjà connues dans d'autres vies, quoi. Donc, ça veut dire qu'en même temps, on évolue, on avance, et le but étant de se réconcilier avec chaque personne, de pardonner par rapport à au fait d'être soi victime, de ne plus être persécuté ni persécuteur, et ne plus être dans un sauvetage ou vouloir être sauvé. C'est une triangulaire, en fait. Et c'est se placer au centre du triangle que de se faire ce chemin intérieur et ne plus en être ni victime, ni persécuteur, ni sauveteur. Et donc, c'est je me place au centre et je suis responsable de ce que j'aimais comme intention, tout en étant attentive à moi et aux autres, en fait. Et c'est ça le chemin, quelque part. Et donc, je vais réactiver ces rencontres, ces blessures qui sont passées, avec ces défis à relever d'autres vies et des actions réalisées dans d'autres vies. Donc ça, c'est en lien avec des blessures, tout ce qui est difficile et désagréable. Et il y a évidemment aussi tout ce qui est don, tout ce qui est talent, qui ont été acquis et qui sont à réactiver dans cette vie aujourd'hui. Donc ça, c'est important aussi. C'est pour ça que mon site, c'est révélersestalents.com, parce que pour moi, on est issu d'un don qui est celui d'être conçu dans un corps. Et donc, l'attraction entre l'ovule et le spermatozoïde qui nous ont conçus, et c'est vraiment une force de la nature. Même si on n'a pas été désiré, même s'il y a eu des blessures et des fissures d'âme, etc., c'est, voilà, j'ai été conçu, et c'est cette force de la nature qui a pris le dessus sur tout le reste. Donc, ça veut bien dire que ben, j'ai quelque chose à vivre et je peux faire évoluer mon âme grâce à ça, en fait. Voilà, donc je parle aussi des morts non libérés, fragments d'âme, impression de déjà vu et de déjà vécu. Alors, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Voilà, je vis des situations, des expériences, ben, soit j'en fais rien. Et là, ça fait partie des personnes qui sont dans la 3D ou qui se posent pas de questions, en fait. Pour eux, ben, voilà, je vis au jour le jour, j'ai un travail, etc. Et... ben voilà, je me pose pas de questions et je continue ma vie comme ça.
Ou je me dis, ben voilà, je vais essayer de voir de qu'est-ce qui fait que le sens de ma vie aujourd'hui, c'est ça, et qu'est-ce que j'ai à faire, comment je peux faire pour aller mieux, comment je peux faire pour contribuer à ce que ce monde aille mieux aussi. Voilà, je vais aller identifier mes incarnations, que ce soit des moments qui ont été difficiles à vivre, comme des moments où vraiment j'ai exercé des dons, où voilà, il y a des personnes qui viennent, qui se retrouvent en Égypte, qui faisaient des soins avec des cristaux, des personnes qui faisaient de la peinture, voilà, tout ce qui est en fait mise en œuvre artistique, plus accompagner les gens pour un mieux-être, en fait. On en a de plus en plus besoin, et il y en a de plus en plus, fort heureusement. Voilà, donc faire un scan des incarnations retrouvées, libérer ce qui a à être libéré. Je vous parlais du tube pranique tout à l'heure, voilà. Au plus je vais épurer mon tube pranique, au plus je vais avoir accès à ces dimensions qui vont venir me traverser au fur et à mesure. Et donc, pour transmettre un enseignement, les personnes, c'est l'enseignement, c'est différent pour chaque personne. Et pour moi, on est là pour manifester notre originalité, bien sûr en lien avec cette origine source. Donc, réactiver et ancrer durablement les incarnations positives et constructives. Voilà. Plus précisément, libérer des comportements qui ont été injustes, soit que l'on a infligé aux autres, ou soit que les autres nous ont infligé. Tout ce qui est anciens vœux, donc des anciens vœux des contrats et des dettes karmiques, les vœux de chasteté, enfin, différents vœux qui sont là et qui font que, on n'arrive pas à avancer. Ça comprend aussi les contrats d'âme à âme. Voilà, qu'est-ce qui fait que à aujourd'hui, je suis une femme, j'attire tel homme? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon contrat d'âme et quelle dette karmique j'avais à régler? Et donc, je peux vivre une situation où je suis victime de quelque chose. Au plus j'irai voir de où ça vient et je m'en libérerai, au moins ce sera difficile dans cette vie-ci parce que je comprendrai de où ça vient en fait. Et donc tout ça, ça peut se voir aussi. Enfin, on peut aller voir dans le contrat d'incarnation. Et bien souvent, on a les réponses quand on est prêt. Si on l'a pas tout de suite, c'est que c'est pas encore prêt. Ça n'a pas à être dévoilé maintenant. Voilà, c'est comme ça. Le tout, c'est de poser l'intention. Mais sachez que c'est possible. Et c'est ce que je vais proposer après. Ensuite, des moments reliés à certaines époques, des personnes qui retrouvent des moments en Atlantide, en Lémurie, en Égypte, voilà, ici ou ailleurs, hein. Des blessures d'humiliation, de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice. Tout ce que je n'ai pas pardonné aussi, parce que c'est important de pardonner. Tout ce qui est culpabilité, ressentiment, colère, des nœuds, des noyaux de refoulement qui vont être identifiés, transformés et réinvestis dans la légèreté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dites-moi un petit peu. Alors, celui-ci. Mettre de la lumière aux arbres, c'est les tuer à petit feu. Ils sont comme nous, ils ont besoin de dormir. Et le fait de les mettre dans la lumière les épuise. Non, pas moi. Pour ce qui me concerne, c'est autre chose en fait. Parce qu'ils ont vécu des moments très difficiles justement. Et ça les aide. Alors, cette team des hommes divorcés. Le plasma est un champ d'énergie animé par l'intelligence cosmique. Dans certains plans dimensionnels, on se met l'aspect de cette manière consistante. Mais non lourde est capable d'intervenir, agir avec toutes les autres ondes. Ce que vous exprimez me touche, m'émeut, et de plus, c'est intellectuellement de grande qualité. Un temps de très cher, merci Sabine. Je reconnais une mémoire de l'Égypte antique depuis que je fais des soins. Crypte de cristaux, est-ce cela, la catinelle? En fait, c'est ça qui est merveilleux parce que on peut retrouver tous ces champs de connaissances à l'intérieur de nous, quoi. Et on a vraiment la chance de pouvoir le vivre dans cette vie-ci, quoi. Est-ce que toi, Maria, tu as des choses à dire ou dis-moi un petit peu? Je suis complètement en accord avec tout ce que tu dis, donc qu'est-ce que tu veux que j'ajoute de plus? Tout dit. D'accord. Bon, yes. C'est bien. maintenant j'en viens à ce que je vais vous proposer suite à cette conférence et j'en suis vraiment très très heureuse. Ce sont des ateliers à la fois collectifs et personnalisés. C'est-à-dire que j'ai prévu en fait un questionnaire qui va permettre justement
de personnaliser avec des questions précises que je recevrai. Et au plus vous serez précis, au mieux ce sera. Et au plus, bah, les, voilà, la guidance et les êtres de lumière vont venir agir chez les uns et chez les autres, et chez les unes et les autres, en fait. Donc, je me laisse vraiment guider au fur et à mesure. C'est pour ça que, bah, voilà, souvent, on me dit que je suis quelqu'un de très original. Donc, c'est vraiment oui, vivre au présent et laisser venir ce qui se présente. Je pose des intentions avec un contenu précis au niveau des ateliers. Et c'est vraiment, j'ai réalisé en fait au fur et à mesure que en vivant ces ateliers collectifs, en fait, je donne des réponses à des personnes qui allaient poser des questions en fait. Donc je laisse faire, voilà. Je ne choisis pas, je me laisse choisir à travers eux, à travers leur guidance, et je laisse faire les choses en fait. Je pense qu'au plus justement on est dans cette position de fleur de lotus qui est ouverte, voilà, au plus ça se passe. Et c'est ça qui est un bonheur parce que ça me nourrit autant. Et ça me surprend quelquefois même de dire des mots à des gens. Je dis, écoute, va voir dans le dictionnaire parce que je sais vraiment pas ce que ça veut dire. Et en fait, à chaque fois, il y a une correspondance qui touche la personne parce que ben c'est ça quoi. Donc voilà, ne sachant pas ben voilà ce qu'on va vivre, mais c'est ce qui se passe. Donc je propose 3 ateliers. Le premier, donc c'est pareil, ça m'est venu au fur et à mesure. C'est un atelier sur aller rencontrer et consulter son contrat d'incarnation. Donc, ben voilà, j'ai mis précisément ce que ça concerne, mais bon, ça reprend tout ce que je vous ai dit complètement avec le rituel, le détail du contrat d'âme, etc. Enfin, ce sera de manière précise et en même temps très intuitive avec la mission de vie. Mais ce qui est vraiment essentiel pour moi, c'est que vous remplissiez les questionnaires parce qu'au plus vous serez précis, au plus vous aurez des réponses précises. Donc, moi, je vais me relier à chaque personne. Je me relie avec les prénoms, en fait. C'est dès qu'il y a un prénom qui se présente, voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et en deuxième partie de ce premier atelier, donc, c'est entrer en communication avec son âme. Donc, à la fois, je vous dis, rencontre énergétique et vibratoire au présent. Pour moi, mon intention, c'est vraiment d'aider chaque personne à se relier à son âme le plus verticalement possible et être à sa disposition, en fait, parce qu'on est là pour ça. Être à son écoute et entrer en lien avec elle. Voilà. Donc ça, c'est un premier atelier. Pardon. Le deuxième, donc, c'est de retrouver des mémoires de vie antérieure qui sont à libérer. Donc, en lien avec des vœux, en lien avec des dettes karmiques. Et donc, je demande à chaque personne de poser au moins 3 intentions. C'est ce que je fais à chaque fois que je reçois des personnes ici aussi en individuel. Voilà, on va poser 3 intentions. Ça va vite, en fait. Hein. Donc, j'ai noté affectif, professionnel, relationnel. Si vous en avez d'autres, allez-y. Hein, moi, ça me dérange pas. Mais l'important, c'est de poser ces intentions. Parce qu'au plus vous les posez de manière ferme et claire à l'intérieur de vous, au plus vous aurez des réponses. Donc, on va faire ça. Et ensuite, on va reprogrammer son ADN. Et en même temps, il y a les plans subtils et les êtres des autres dimensions qui vont venir épurer notre enveloppe causale. Hein. Par des soins énergétiques qui vont être réalisés. Donc, c'est pareil, ce sera vécu en live, toujours avec ces intentions importantes. Ah, donc là, c'est de l'épuration, la conchita, comme je l'appelle. Et ensuite, le troisième atelier, donc là, c'est retrouver et réactiver des dons et des talents d'anciennes vies. Donc ça, c'est souvent pour des personnes aussi ben, qui sont en recherche de ce qu'elles ont à faire. Voilà, je sais que j'ai quelque chose à faire, mais je ne sais pas trop où aller, comment faire, etc. Donc, on va poser aussi toutes ces questions. C'est aussi compris dans le questionnaire. Et donc, on va s'aligner, ouvrir le canal et aller voir un petit peu ben, qu'est-ce que j'ai à faire dans cette vie-ci, comment je peux mettre en lumière et être un phare à la fois pour moi et pour les autres, pour que ce soit au plus juste et mettre en action et en activité ce que j'ai à faire. Donc, en même temps, il y a des soins à distance qui sont personnalisés en lien avec les personnes présentes. Et pareil, de recevoir des encodages et activer l'ADN. Voilà, c'est qu'il est temps pour moi de le faire là, par la webconférence et en atelier collectif. Voilà, donc je vous ai mis à remplir un questionnaire, écrire les intentions, monter vibratoire collective, se mettre en disponibilité, les appels au guide de lumière. Voilà, ça c'est pour être un petit peu plus précise. Laisser agir les guides, donc c'est vraiment prendre du temps aussi que ça se fasse. Action sur les différents plans au niveau de la guidance. Donc, moi, je laisse venir.
Il y a beaucoup d'êtres de lumière qui sont présents parce que mon appel intérieur est très fort et ma foi est très forte. Et au plus on sera nombreux à se nourrir de cela, au mieux ça ira, quoi. Et ensuite, voilà, pour moi, la clé, c'est d'être en état de paix intérieure. Quel que soit ce qui se passe à l'intérieur, au plus je serai en paix et dans... on est bien le jour de la musique, hein, d'écouter la vibration de son âme et le son de l'âme à l'intérieur de soi, et bien au plus je pourrai la diffuser et l'extérioriser, et ça aura des effets sur les personnes qui m'entourent, comme sur chacune de mes cellules, quoi. Donc il y a souvent des surprises, mais ce sont des bonnes surprises parce qu'il y a des libérations, voilà. Des personnes qui voient des champs qui étaient dans l'ombre et qui s'en vont, des mains qui viennent se présenter pour des guides, hein, qui viennent se présenter pour aider les gens, voilà, envoyer de l'énergie et de l'amour. Il y a plein de choses qui se passent. Et je propose aux gens aussi de prendre un carnet de voyage intérieur. C'est-à-dire que voilà, vous allez choisir un beau cahier, un beau carnet, un carnet, hein, en deux mots ou en un mot. Et donc, ça va vous permettre d'écrire, de dessiner, et d'avoir une traçabilité, de pouvoir revenir dessus. Ben, tiens, j'ai eu telle prise de conscience. Voilà, j'ai vécu ça en atelier et ben, quelques jours après, il y a ça qui s'est présenté. Voilà, vous l'écrivez, écrivez vos expériences, vos prises de conscience, tout ce qui vous habite à l'intérieur. Et puis voilà, c'est vraiment des témoignages de vie à l'intérieur de vous. Et toujours pareil, il y a ces expériences et qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Donc, je me mets ça à l'intérieur de moi. Je le mets à profit pour moi et pour les autres. Donc, notez vos sensations, vos messages, vos impressions, vos ressentis, tout ce qui vous vient. Voilà. Et donc, j'ai mis des impressions, des questions, réflexions, ressentis. Voilà. Alors, est-ce que... Bah écoute, la dernière question, c'est Mimi qui demande comment tu peux à la fois faire du collectif et de l'individuel en même temps. Ah bah c'est comme ça, je l'ai vécu de nombreuses fois dans les ateliers ici en fait. Et donc c'est pour ça que j'ajoute un questionnaire, parce que ben voilà, c'est important pour moi que ce soit personnalisé aussi, que chaque personne ait des réponses. J'ai déjà vécu aussi un moment où je faisais la médiumnité en salle avec des photos, etc. J'allais dans différentes associations en France, ça fait pas mal d'années. Et en fait, ce que je proposais, chaque personne me donnait son prénom, en fait. Et donc, j'avais une liste de prénoms, et il pouvait y avoir 20 ou 25 personnes, ou même plus. Et en fait, ben, en me reliant, en fait, j'appelle les guides, etc., et les personnes ont des réponses. Tiens, ben voilà, il y a ma grand-mère qui est venue, il y a tel guide qui est venu, j'ai eu telle réponse, tel message, etc. Voilà, parce que ben c'est des dimensions qui descendent. Et c'est parce que moi, je me sens prête, en fait. Sinon, je ne le proposerais pas maintenant. Et voilà, ça serait pas... la porte s'ouvrirait pas maintenant. Si ça vient, c'est que mon âme est prête. Sinon, je ne le ferais pas. Voilà, donc c'est ce que je propose. Et je suis vraiment très, très heureuse parce que, ben voilà, c'est aussi... Et aussi parce que nous sommes tous reliés. Donc, ben ce oui, qui est voilà. Pour l'un et pour l'autre forcément, voilà. Et qu'un groupe ne se crée jamais au hasard. Un groupe se crée toujours en fonction de... Voilà, c'est des amis d'âme qui se retrouvent. Hein. quelle différence entre ces ateliers et une consultation individuelle? Peut-on faire le replay si on n'est pas dispo à l'heure dite? Oui, toujours, parce que à partir du moment où l'intention est posée, le questionnaire est rempli, enfin, tout est là, donc ça s'active. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est des rendez-vous d'âme. Voilà. Oui, voilà. Moi, j'ai même des personnes qui me disent « Ah ben tiens, cette nuit, t'es venue, il y a ça qui s'est passé, je me sens mieux. » Voilà, ben, c'est mon âme, en fait. Hein. Donc, je dis « Ben, c'est super. » Alors, heureusement, mais c'est pour tout le monde. Enfin, des personnes qui ont ça à faire, ça se passe. C'est comme des personnes, tout le monde rêve. Mais il y a des personnes, elles ont souvenir de leurs rêves et d'autres non. Donc, voilà. Donc, mais je trouve ça magnifique, quoi. Et c'est important de se placer dans une lumière, enfin, dans un champ de protection aussi, quoi. Il y a des manteaux de lumière qui viennent. Il y a même quelquefois des jarres qui viennent pour d'abord nettoyer les gens et ensuite pour les nourrir. Donc, moi, je laisse faire, en fait. J'accueille. Voilà. C'est une coupe. Je me suis vue en tant que soldat, c'est ça? Des côtes de maille lors d'un circuit touristique dans les Pyrénées. Et j'ai compris que je me batte. D'accord, ok. Ça me fait penser à des personnes que je connais où il y a la mère et la fille, en fait.
Et à un moment, j'ai eu le déclenchement de, mais on dirait qu'elles sont encore toutes les deux sur un champ de bataille, en train de s'envoyer des, non, ça va pas, si, non, non, enfin voilà. Et je me suis dit, mais c'est comme s'il y a une bulle du temps qui était présente au niveau de ces deux personnes qui sont dedans. Et voilà, donc ça s'est posé, c'est tout. Hein. Après, ben voilà, elles sont bien là-dedans, c'est bien. Elles sont pas bien, elles savent qu'il y a quelque chose qu'elles peuvent faire, quoi. Mais quelque part, la vie, c'est ça aussi. C'est, voilà, des espaces du temps qui sont là, mais ben, qui sont reliés à d'autres vies. Et on est là, justement, pour s'ouvrir à cette question, en fait. Toutes ces clés. Ça fait penser aussi à une personne, tu vois, soldat. Parce que j'ai beaucoup fait d'ateliers donc sur le contrat d'incarnation à la vie antérieure, entre autres. Et en fait, à un moment, voilà, cet atelier-là, il y a plein de choses qui se sont posées au niveau des personnes présentes. Et il y a une personne, je lui dis, oh, je vois une femme qui est comme une infirmière dans un dispensaire. Il y a plein de soldats tout autour. Et je vois cette femme qui est en train de les soigner. Et en plus, enfin, je sais pas, il y a une histoire de famille. Et en fait, je dis, je pense que c'est la guerre 14-18. Elle me regarde, elle me dit, j'ai fait un mémoire sur les poilus. Et en fait, voilà. Et en deuxième point, elle avait passé beaucoup de temps dans sa vie ici à aider ses parents, en fait. C'est comme si elle continuait à les soigner. Et du coup, il y a eu une prise de conscience. Et après, ben, elle est partie, si tu veux. Enfin, elle a pu se libérer du fait d'être encore dans cette vie où elle les soignait. Et je trouve ça fabuleux, quoi, parce que ben voilà, ça vient quand on est prêt, et du coup, ben voilà, la vie se poursuit, et c'est magique. Et ce qui crée une libération pour les parents, du coup, parce qu'ils n'ont plus besoin de jouer ce rôle-là, donc ils peuvent partir en paix. Ouais, c'est ça, quoi, une autonomie. Hein. C'est ça aussi, c'est la magie, c'est qu'on donne, on rend la liberté à l'autre en plus, ouais. On dégage de son rôle, de ce contrat dans cette vie-là. Voilà, ouais, c'est ça, c'est merveilleux. On rend sa liberté en même temps si lui n'est pas cette personne. N'est pas dans la conscience. Voilà. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. Hein. Tu vois, il est 22h. Oui, parce que si on commence à parler toutes les deux, là, on en a encore pour toute la nuit. Oui, oui. Donc voilà. Voilà. Alors, si vous avez envie donc, d'en savoir plus, d'aller contacter votre âme, d'aller dénouer des liens, évidemment qu'il y a, comme disait Alain tout à l'heure, plein de personnes qui font la même chose. Maintenant, il y a un moment ou un autre où il faut juste se dire ben, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Est-ce que je reste avec tous mes soucis, mes maladies, mes trucs ? Ou est-ce que je décide à un moment ou à un autre de franchir le pas, voilà, de m'inscrire à un atelier pour aller plus loin ? Ouais. Ça, ce que je dis tout le temps, on peut digérer des tas de conférences, mais ce n'est pas les conférences qui font le travail. Non, c'est la vibration et la personne. Donc, j'ai mis, voilà. Il te reste plus, si tu as plaisir, de cliquer, si tu veux, sur le lien. Et voilà, on y va, quoi. Mais on a de la chance. On a vraiment de la chance de pouvoir vivre tout ça, quoi. Merci, en tout cas, de ce partage, de cette écoute, des questions, pour apporter des réponses, etc., quoi. Merci. Oui, je pense que, voilà, on a fait le tour, à peu près, selon plusieurs informations. Nous sommes rendus à notre dernière incarnation, notre dernière vie, peut-être. Oui. Qu'est-ce que t'en penses ? On a une dernière vie. C'est pareil, chaque personne est différente. Donc, on peut, à partir du moment où on a des questions, il y a des réponses. Moi, je dis toujours, tout problème est une solution cachée. Et donc, ça vient quand on est prêt. Et donc, si l'intention est posée, on aura des réponses de toute façon. Mais je peux pas répondre en général. Voilà, il y a des personnes, bah, elles ont vécu beaucoup plus d'incarnations que d'autres. Voilà, on en est là où on en est aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est de savoir que, ben, au plus on fait ce cheminement intérieur, on peut même changer de ligne du temps, en fait. Donc, voilà, c'est une opportunité qui vous est offerte. Et voilà, moi, je trouve qu'on a de la chance. Oui. J'ai changé mon prénom en cours de vie. La naissance ou celui que j'ai choisi. Donnez les deux en précisant. Donnez les deux en précisant. Au niveau du prénom, Caroline. D'accord. Alors, la personne en face de moi était allongée. Il se mettait une hache et coupée. Trois des visages. Derrière la tête. Hein, je ne sais pas. Ça doit être symbolique en même temps. Au niveau du visage, il y a la partie gauche et la partie droite. En lien avec le cerveau gauche et le cerveau droit. Dans le visage, il y a à la fois le principe féminin et masculin. C'est-à-dire que la bouche et les oreilles, c'est comme l'utérus féminin.
Et le nez et les yeux, c'est comme le sexe masculin avec les testicules. Donc, on a le féminin et le masculin dans le visage. Donc, en même temps, il y a la partie gauche et la partie droite. Je ne sais pas s'il y a une intention qui avait été posée pour avoir ce rêve-là ou comment tu t'es sentie après, Anne-Marie. Je ne sais pas. Ah, merci Monique. T'es un amour. Merci Catherine. Merci Marie-Josie. Bien, je crois que de toute façon, ça fait plus d'une heure et demie qu'on dit. Bon. Donc, c'est bien là. On va aller faire un petit tour à la fête de la musique, peut-être. Oui, bah oui, justement. Voilà. Après avoir pris soin, bien sûr, de vous inscrire aux ateliers. Ils y seront très bientôt. Hein. Je crois qu'on a pris rendez-vous pour très bientôt. Oui, oui. Le temps donc, que le replay paraisse. Et c'est quoi le premier déjà? Tu te souviens? La semaine prochaine, la semaine suivante et la semaine encore suivante. Donc, c'est voilà, bien. Ils seront tous avant le 10 juillet. Hein. Donc, bientôt, voilà, il nous fallait quand même un petit peu de délai entre chaque. Hein. C'est ce que tu avais dit, une huitaine de jours entre chaque pour que le travail du premier atelier s'intègre. Voilà, c'est ça. On va laisser quand même un petit laps de temps avant que les replays paraissent, parce que c'est quand même bien, si tu le disais, on est un maximum de personnes en direct la première fois, sachant que bien sûr, de toute façon, l'énergie va là où elle doit aller et que ça sera valable aussi pour ceux qui les trouveront plus tard. Voilà. Il y a personne qui demande où trouve les liens pour les inscriptions. Alors, les liens pour les inscriptions, donc ils doivent être sous la vidéo ou sur le côté, je ne sais pas trop. Ça fait un petit moment que je l'ai mis en. Que je tu l'ai peux mis le remettre le chat. Ah ben non, je peux. Quand l'offre est publiée, je ne peux plus rien faire, elle y est. Ah, d'accord, ok. Donc, soit sur le côté, soit sur la vidéo, je ne sais pas trop où. Moi, personnellement, je ne la vois pas quand le chat est affiché, mais quand je cache mon chat, elle est sur la droite de la vidéo. Sinon, en allant. Sur le site. Alors après, oui, bien sûr, ça sera forcément avec le replay, ça c'est sûr. Mais si vous voulez vous inscrire tout de suite, vous devez encore avoir le lien sur le côté, je pense. Oui, bah oui. Donc, et le questionnaire, vous l'avez juste après l'inscription parce que. Le questionnaire, on reçoit donc après l'inscription, c'est ça. Voilà. Oui. C'est vraiment fondamental pour moi. Le lien est en haut à droite, Céline. Oui, il y a le panier, c'est pas ça au niveau de l'offre? Ah non, mais moi, le panier, non, je ne pense pas que... Non, moi, je l'ai publié. Elle est publiée, l'offre. D'accord, ok. Elle est publiée. Donc, en haut à droite, au-dessus du chat. D'accord. J'imagine. Parce que moi, je ne l'ai pas quand j'ai le chat. Elle met à droite de la vidéo. Il y a un grand moment que je l'ai publié déjà. Hein. Au-dessus du chat, à droite de la vidéo, ouais. Voilà. Donc, on vous laisse encore quelques secondes, le temps de vous remercier à nouveau, de laisser le mot de la fin à Marie-Pierre, si vous voulez cliquer sur le lien. Et puis ensuite, écoutez, vous le retrouverez. Pour le retrouver, sur la vidéo, dans le replay. Donc, demain dans la journée, parce qu'on a été top de top. On n'a pas de coupure de vidéo. Donc, Christelle va mettre très peu de temps à vérifier que tout est bien. Et le replay partira, voilà. Ouais. Quelquefois il y a des soucis à l'enregistrement, il faut couper, mais là non, ça s'est très bien passé l'enregistrement. Grand merci à toutes les personnes présentes, hein, puis à toi aussi Maria. Et écoute, c'était un grand plaisir donc, moi aussi. De nous retrouver peut-être très bientôt, de recommencer. Continuer. Quand on va avoir commencé sur le net, on va y prendre goût, je pense. Voilà. Oui, je pense à un bon début. Et merci aux vraies personnes qui me connaissent aussi. Merci du fond du cœur aussi. Je vous embrasse bien fort. Colette, Caroline, Mimi, Alain, etc. quoi. Merci. Je vous embrasse et puis une bonne fête de la musique à vous. Merci à tous. Oui, au revoir, à bientôt.